Hey, coucou la VOD, et bienvenue sur Sabref fait des trucs bizarres dans World of Warcraft. Aujourd'hui, on a passé le collier niveau 70, donc niveau max de la 8.2 et 2.5. Et du coup, on a débloqué une toute dernière quête. Une toute dernière quête pour Magni, qui est censé débloquer le rang 4 de l'essence de base. On va de ce pas y aller. Oui. Donc, on a déjà pour rappel, en débloquant l'essence de base, on a débloqué une écaille du dragon noir au tout début. En débloquant le collier, donc, si vous avez débloqué le collier comme maintenant, vous en débloquant le collier. Ensuite, on a fait quoi? C'est laquelle la deuxième? On a fait la rouge et la verte, donc au niveau 55 et 60 du collier. Oula, il y a plein de quêtes, c'est le bordel. Donc, ça, c'est la quête parce qu'on est monté 70. Et il se passe rien. Celui qui dit salut, t'es venu, c'est bien. Ok, Kalenkos, à toi. Donc là, c'est la bleue ou la bronze? Je me demande laquelle ça va être. C'est la bleue, tiens. Vous avez fait beaucoup pour augmenter la puissance du cœur d'Azeroth. Je suis fier de que les vols draconiques vous aient prêté leur aide pour cette cause. Il est maintenant temps pour le vol bleu de faire la même chose. Nanana, le Kirin Tor a isolé la signature dans le Nexus. Super. Nanana, rencontrer Kalenkos dans le Nexus. Allez chercher. Ah non! Genre vraiment? Ah, il est sérieux? Putain, heureusement que c'est moi. Oh, heureusement que c'est moi. Du coup, il manquera des cailles de bronze. Il nous manque l'intervention du vol bronze, du coup. On a 4 interventions, du coup, des vols draconiques. Il nous manque le bronze. C'est très. Ok. Pourquoi pas? Il nous manque le vol bronze. Ah, admettons. Intéressant, mais ok. Ok, bon, bah c'est parti. Oui, donc là on a sauvagement triché un parce qu'on peut. Voilà, c'est toujours la même idée de parce qu'on peut. Du coup, on peut. On peut donc on fait. On a utilisé le collier de Jaina, du coup. De la quête de Shadowmourne pour nous massivement téléporter à Dalaran de Helga. Voilà. Hop, on y est. Alors désolé, le WoW était pas sur SSD, donc les temps de chargement c'est un peu la merde. On prend sa fidèle abeille. Voilà. Ensuite on anticipe les chargements, on s'en fout. Hop. Voilà. On sent que ça charge pas le même volume de data que le reste. Hein. Ça charge tellement plus vite. En fait sans SSD ça se sent tellement que ça charge tellement plus vite que genre Légion ou quoi. Alors on va passer d'au-dessus dans Gretar. De toute façon on peut. Alors l'idée c'est qu'on peut pas traverser tout droit là. On n'a pas le droit, parce qu'il y a une Wintergrass ici, donc le joug d'hiver, qui empêche de fly, ce serait chiant. Donc soit on y va avec le vrai fly, soit on y va à la main, on va y aller à la main, clairement. Non. Hein? Attends, il me dit quoi ce con? Il me dit retourne à Dalaran et prends le TP pour Stormwind. Quoi? Comment ça prends le TP pour Stormwind? Tu te fous ma gueule? Mais non, je vais pas aller à Stormwind, espèce de machin. Attends quoi? Et si on est à Stormwind, il dit quoi? Non, il doit vouloir y aller en bateau en fait, mais à tous les coups, il doit vouloir y aller en bateau, ce con. Ne pas écouter Oula, faire gaffe. Ça, c'est du. Oui, non, c'est le jeu d'hiver, ça. Hein. C'est la zone des éléments de feu du jeu d'hiver, on fait gaffe. À tous les coups, il doit vouloir nous y faire passer. Hein. On va les vérifier d'ailleurs, attends. Il est en combat le jeu d'hiver? Non, j'ai une bataille d'hiver. Ok, parfait. Ah du coup le jeu m'a automatiquement remplacé ma barre d'AP en bas par ma barre d'honneur. Genre vraiment, ma barre d'honneur. Ben tiens. C'est marrant ça. Réellement. Ma barre d'honneur qui a pris le dessus là. Yes. N'importe quoi. Bon, bah, du coup on va y aller de toute façon. Hein. C'est... Eh ça y est, il a changé l'objectif. Il a été d'un coup vachement plus d'accord pour que j'aille au Nexus. Ah, très bien. Très très bien ça, très très bien. En avant. Vroumeux, vroumeux, vroumeux. D'ailleurs, oui, il fallait que je regarde. Au niveau des hauts faits, tout ça, non. Y'a que dalle. Non, y'a que dalle. Il m'a mis un truc. Ah oui, Obsidian Worldbreaker. Ça vient de ça. D'accord. Et lui, il m'a dit. Ça va pas avec Battle Rap. Ouais, d'ailleurs oui, attends.
Non. Ça arrête 15 sur 15, toi aussi, c'est bon. Un avant, là où Kalegos a été nommé aspect de la magie. Questline est très marrante d'ailleurs, ça. La nomination de le poste Maligos. Du coup, à LK, il y a Maligos qui pète un plomb, donc qu'on tue dans un raid, dans le premier raid de l'extension, enfin le premier bloc, le T7. Et dans la foulée, du coup, il y a toute une questline pour déterminer qui est le successeur de Maligos. Et cette questline est traitée dans la quête du bâton légendaire de Tarek Kozza, de Cataclysme, si jamais ça intéresse des gens. Oui, désolé, je papote, mais parce qu'on s'ennuie là. Bon, plus vite, abeille. Bzz, bzz. Allez. Plus vite, bzz, bzz. Très forte. Bzz. Comment on est où? 436 level. Oui, bon, ça va. On a dépassé les levels du MM0 de la 4, de la 8.3. Tant mieux. Alors, on continue. Bonjour, oui. Rencontrer Kalegos à l'Oculus, du coup, c'est ça? Parce qu'au sommet du Nexus, en vrai, c'est l'Oculus le nom. C'est juste qu'ils ont pas dit Oculus. Mais. Pourquoi pas? Bonjour. J'espère vraiment qu'il y a autre chose que juste aller voir Kalegos, sinon je serais très déçu. Je serais quand même majoritairement très déçu. Si c'est juste un bel trajet, GG, t'as les 134, c'est triste quand même, de ouf. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, non, il est encore au-dessus. Il est là. Il est là. Oula, le bordel. Il y a un mec. Alors, Kirin Torkeeper. This world is full of wonder. Hein? Il a dit quoi? Claim it. Ah oui. Récupérer les cailles chargées de la muerte. C'est tout? Révéler les cailles chargées de la moelleté. D'accord. Et ensuite. D'accord. C'est tout. Remarquable. D'accord. Le pouvoir de la chambre, le cœur du cœur d'Azeroth ne cessera jamais de me surprendre. Ok, nanana, on vous fait confiance avec ce pouvoir. Vous devriez, vous êtes celui qui doit sauver Azeroth, portez le bien, blablabla. Ok. Ramène-moi la chambre. Ah, il peut nous ramener, parfait au moins, ça fait ça de moins. Très bien, ça fait ça de moins à faire. Donc là, il m'a rendu rang 4 Crucible of Flame. Apparence augmentée. Nanana. Ah, c'est une écaille de Maligos. C'est une écaille de Maligos, d'accord. Bonjour. Yeah. Niveau 4. Donc on a eu Crucible of Flame niveau 4. Voilà. Avec un aspect augmenté apparemment. Allez savoir. Donc, Magni nous reparle. Bonjour Magni. Parlez à Magni. Ah. Jouer. Attends quoi? Le travail que vous avez fait pour améliorer le cœur d'Azeroth ne peut pas être compris. Non, ne peut pas être sous-estimé. Non. Y'a plus à faire, voici un petit cadeau. Faites-moi savoir quand vous êtes prêt. Je suis prêt à recevoir le don des vols. Le don des vols draconiques. Attends, y'a manque un. Ah non, y'a pas le noir juste. Mais y'a le bronze. Mais quoi? Je comprends rien. Là, Nos Dormu, il est pas venu m'aider. Non, c'est pas le bronze, c'est le noir du coup. Mais il manque le bronze. Où est le bronze là? Alexstrasza, la fille d'Izera, Kalegos et Bonhorn. Ok. Ouais, il y a quand même deux aspects sur. Parce que j'aime bien, c'est quand même. Sur le délire, ça c'est la fille d'Izera, hein, Meritra. Donc c'est probablement Dragon Vert le plus puissant qui reste en vie. Alexstrasza, c'est Alexstrasza, c'est la reine de tous les dragons. Kalegos, c'est quand même le émissaire du vol bleu, t'es sérieux toi? Émissaire du vol bleu. Donc Kalegos, sinon c'est l'aspect de la magie et le quand même c'est quand même l'aspect de la magie et le patron du vol bleu. Émissaire du vol bleu. C'est quoi ce sous-titre à la con? Oh mon dieu, c'est tellement le patron du vol bleu. Et Bonne Horde du coup c'est un des deux dragons noirs qui reste. D'accord, parfait. Amazing machin, j'ai eu un jouet. D'accord. J'ai eu le cœur du champion. Ça fait quoi? Tiens le cœur d'Azeroth dans ta main. 15 minutes de CD mon dieu. Pour 10 minutes. D'accord.
10 minutes. Ah non, et ça s'annule dès que je bouge. Oh purée, c'est nul. Juste ça met le cœur d'Azeroth dans ma main, c'est tout. Ok. D'accord. Ok, admettons. J'ai eu 1100 de réputes avec les gardiens d'Azeroth. Ok. Avec les champions. J'ai eu 1150 de réputes avec les champions, purée. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, mais non, je suis con. J'ai eu 1000. C'est juste qu'il y a le bonus de l'anniversaire, c'est vrai. Ok. Bon. Bah du coup. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Du coup, en passant, on va récupérer quand même. Cache Paragon. Et du coup, j'ai eu quoi à la place de la paix? 4500 de gold. Ah non, cœur d'Azeroth est à max level. Ah non, j'ai eu rien. Du coup, le cœur d'Azeroth a maxé au niveau. Allez, level 473. 473! Nom de Dieu, il est tellement loin lui. 473. Il est tellement au-dessus de moi. C'est fou. Il est tellement au-dessus de moi. Il est tellement trop loin au-dessus de moi, c'est débile. Ok, bon. Ça va être la fin de cette vidéo du coup, sur la fin du collier. Et le bordel qui s'ensuit. Il y a juste un dernier détail à vérifier. On m'en a parlé mais je veux constater. Donc une fois qu'on a terminé avec la paix et le collier, du coup sur la théorie, certains trucs deviennent gâchés. Notamment les caches daily. Entre autres. Genre si jamais vous aviez les 600 AP de chaque cache daily, du coup bah n'existe plus. Jusqu'à la 8.3 bien évidemment, où le cap va être remonté. Mais en attendant, il y a un autre truc. Qui est que les World Quest, du coup, il n'y a plus de World Quest à AP. Ce qu'on m'a dit. On m'a dit que toutes les World Quest à AP sont transformées en World Quest à Gold. Ce qui serait intéressant. Ah, mais du coup, je suis désolé, le chargement de Boralus met sa vie. La 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 lou la la. Bon. Ok, alors, donc, stop, des gold, oui, des ressources de guerre, oui, ah non, c'est des ressources de guerre qui m'a balancé ce con, ah non, me dis pas que c'est ça, répute, répute, ressources, ça par exemple, c'était de la paix, c'est devenu 30 anti-gold, ok, des gold, non, non, ok, du coup, c'est bien ça, c'est devenu des gold, 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 ou des ressources de temps en temps, peut-être. C'est devenu autre chose. D'accord. Anti-gold, 128 gold. Gold, 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 des gold. Du gold partout. Ok, bon. Du coup, sur ce, ça va être la fin. Ah. Portez-vous bien, comme d'habitude. Plein de bisous. Bon courage et à la prochaine. N'hésitez pas à passer sur le stream si jamais le cœur vous en dit. See you.